Qui c'est qui a encore traîné sur le net? C'est Bibi. J'ai encore traîné sur le net et j'ai encore trouvé des pépites. Ouais. Des conseils minceurs, des astuces, des objets, des choses bizarres pour la perte de poids. Et je me suis dit que j'étais obligée de te partager ces pépites. Mais de façon intelligente, attention. Hein, parce que c'est bien de se foutre de la gueule, mais à un moment donné, oh. C'est-à-dire que, autant, bah, je vais un petit peu me moquer des choses que je vais te partager, mais je vais te montrer que quand même, c'est pas si con que ça, tu vois, qu'il y a toujours des choses à prendre et à laisser, à se dire, ok, peut-être que les mecs, ils se sont dit que si, que ça. Donc, c'est un petit peu les pires conseils, astuces, minceurs du net, partagés de façon intelligente par Claudia Personal Trainer. Let's go. Ok, let's go. La première astuce s'appelle le crunch effect. Non, c'est pas le crunch des abdos. Ce qui veut dire en fait mâcher bruyamment. No God! No God, please no! Dédicace à tous ceux qui détestent ça. Bisous. Pour augmenter la sensation de satiété. En fait, il y a des mecs qui se sont penchés sur des études, des trucs, voilà. Ils se sont dit, tu vas bien faire chier ta meuf ou ton mec pendant plusieurs jours à mâcher bruyamment, mais on s'en fout d'eux. Ce qu'on veut voir, c'est si ça augmente ta sensation de satiété. Il semblerait que oui. Je pense qu'on n'est pas obligé d'en arriver là. Hein. Le simple fait de mâcher un peu plus, déjà, on sait que ça va augmenter la sensation de satiété, mais pas que, ça va te permettre aussi d'assimiler tous les nutriments qu'il y a dans ton assiette, de mieux digérer et donc, accessoirement, de perdre du poids. Si tu en as besoin, parce que tu vas sans doute manger moins. Je ne pense pas qu'on soit obligé d'en arriver au point de saouler la planète entière en mâchant bruyamment. Après, si tu es tout seul, tu peux faire le test. Hein. Je l'ai fait. Je m'auto-soule. Hein. Ça, c'est sûr que je m'auto-soule. Pourquoi tu m'en regardes comme ça? Toi qui tu m'en regardes comme ça, t'as un souci, tu te concentres. Mais moi, j'ai rien dit. Et en fait, c'est pas tellement que ça augmente la sensation de satiété, ça augmente la sensation de saouler. En fait, ça, c'est clair et net. Bref, suivant. Le deuxième, c'est un accessoire. Un accessoire en bois. À quoi tu penses? C'est un bijou, hein, un bijou en fait. What? Connecté, hein. Donc bon, c'est dans l'air du temps, on va dire. Oui, il est en bois. Et il est connecté. Donc c'est un bijou en bois, comme je te le disais, en composite naturel. Tu sais, ça fait toujours un peu plus dans l'air du temps et plus vendeur de faire des choses comme ça et. Ok, fidèle à notre planète, chère planète que l'on aime. Et en fait, on peut le porter en broche, en pendentif, hein, comme tu veux. C'est moche, hein. Mais c'est pas grave. Ça fait perdre du poids apparemment. Et ça n'est ni plus ni moins en fait qu'un truc connecté qui va évaluer ton niveau de stress tout au long de la journée, ton sommeil, ta dépense énergétique, etc. Un peu comme une montre connectée, tu l'auras compris. Donc en fait, c'est juste un tracker de santé. Et on sait que ce genre de trackers de santé déjà ne sont pas toujours fiables, en tout cas ils ne le sont pas à 100%, ça c'est clair, peuvent être obsessionnels pour certaines personnes, mais en tout cas, le bon côté de tout ça, c'est que ça te permet quand même d'avoir une certaine conscience de ta santé. C'est-à-dire, ok, de voir que peut-être à certains moments de la journée tu es stressé, que tu n'en as pas conscience, de te dire qu'en fait bah, tu bouges pas tant que ça au quotidien, et ce genre de prise de conscience peut te permettre de faire des ajustements et donc d'augmenter ta dépense énergétique peut-être, et donc parvenir à une perte de poids si tu en as besoin. En aucun cas, c'est quelque chose d'indispensable, mais prendre conscience de sa santé, de sa dépense énergétique, de tout ce qu'on fait au quotidien, parfois, ça peut faire de beaux petits ajustements et te mener à la victoire. Ouais, c'est ça, la victoire. Troisième astuce et conseil. Je sais que celui-là, il va énerver beaucoup de monde. Hein. Je sais que, surtout en 2021, ça vénère grave. Mais c'est curieux quand même, hein. Le troisième, c'est de dire à une femme qu'elle est mince, l'aide à perdre du poids. Voilà, merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce conseil, hein? Comment on peut raisonner le truc? Des scientifiques se sont penchés sur l'impact de l'entourage des femmes lorsqu'elles essayaient de perdre du poids et notamment des paroles de l'entourage. Et ils ont pu noter que lorsque... on leur disait pas de perdre du poids et qu'on leur disait qu'elles étaient très très bien comme ça, mais en fait ça les encourageait à perdre du poids. Ça paraît pas si con, mais il y a un mais. Parce qu'on est d'accord, hein, que toi ou que quelqu'un d'autre te dise que tu es en surpoids, que tu as besoin de perdre du poids, qu'il faut absolument que tu perdes des kilos, ça t'aidera pas à en perdre.
Ça, c'est sûr. Et ça peut même te faire en prendre. Je t'en avais parlé notamment sur l'impact de tes pensées lorsque tu vois ton poids qui s'affiche sur la balance, que tu dis par exemple « je suis gros » ou « je suis grosse » parce que c'est les mots que tu emploies. Et en vrai, bon, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de vérité là-dessus. Il n'y a pas de chiffre qui dit que tu fais un certain poids égale gros, égale grosse. Enfin bref, ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ta santé en fait. Mais peu importe, c'est les paroles que tu te dis. Et tu penses qu'en te disant ça, ben, ça va t'aider à perdre du poids. L'autoflagellation ne t'aidera jamais à te tirer vers le haut, ça va te tirer vers le bas. Parce que toutes les actions que tu vas poser derrière ce genre de pensée, elles vont être en accord avec celle-ci. Ce qui veut dire que ça ne va pas te pousser à dépenser plus d'énergie, ça ne va pas te pousser à faire attention à ton alimentation. Au contraire, ça va aller dans le sens de la pensée. Donc on se dit que finalement, si on te dit que tu n'as pas besoin de perdre du poids et que tu es très bien comme ça, ça va t'aider à perdre du poids. Je pense que c'est passé d'un extrême à l'autre, vraiment. Parce que si par exemple tu es en surpoids et que ça représente un danger pour ta santé, qu'on te dise « t'es très bien comme ça, t'as pas besoin de perdre du poids », là-dedans, il y a tous les voyants rouges. Mytho, 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 ça fait vraiment comme ça, hein. Ouais. Qui vont s'allumer et clairement, tu vas pas y croire une seule seconde. Donc tu risques en plus de passer à l'autre extrême, de dire « on me raconte que de la merde en plus ». Pour me faire plaisir, tu vois. Alors que moi, je suis grosse, je me déteste, je si, je... Non, ok, stop. Le mieux, c'est de faire preuve de lucidité et te dire, oui, je suis bien comme ça. Il n'y a pas de souci, je suis très bien comme ça. Maintenant, je sais que pour ma santé, il serait intéressant, bah, peut-être que je perde du gras, que j'arrive à me muscler un petit peu. Parce que j'ai envie de vivre longtemps, j'ai envie de vivre en bonne santé. Parce que j'aime mon corps et j'ai envie de bien me sentir dans celui-ci. Tu vois, je peux m'aimer en surpoids, vraiment. Alors, on va faire une parenthèse body positive, hein, parce que c'est le mot que tout le monde connaît et que tout le monde dit, ouais, vas-y, parle de body positive. Mais on va faire une parenthèse body positive, ok. Body positive, c'est très bien. C'est très très bien parce que ça a aidé beaucoup de femmes à s'accepter et à s'aimer et à leur montrer qu'elles n'ont pas besoin d'avoir un certain corps pour s'aimer. Mais attention, on tombe toujours dans les extrêmes. C'est-à-dire que certaines femmes, ou je dis femmes parce que c'est la plupart du temps, c'est des femmes dont il s'agit, mais les hommes, c'est pareil, ont un poids en danger pour leur santé. Et en fait, autant en surpoids qu'en sous-poids. On parle souvent du surpoids, mais le sous-poids a un danger en termes de santé tout autant, voire parfois pire, qu'une personne en surpoids. Donc en fait, à un moment donné, c'est bien de se dire « je m'aime, mais je peux changer aussi ». C'est pas parce que j'aime comme je suis que je n'ai pas le droit de changer. En fait, mon poids ne va pas changer mon identité. Mon poids peut changer ma santé, en bien ou en mal, mais il ne changera pas mon identité, il ne changera pas qui je suis. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire un certain poids pour m'aimer. Et c'est même mieux que je m'aime sans avoir besoin de faire un certain poids. Donc juste me dire, ok, peu importe ce que disent les autres en fait. Je sais que de penser de la manière d'autoflagellation ne va pas m'aider à perdre du poids et de penser l'extrême opposé également. Parce qu'en fait, ton cerveau, il le sait que tu te mens à toi-même ou pas, tu vois. On ne peut pas passer l'erreur à la vérité, tu vois. On ne change pas des croyances comme ça. Mais par contre, ce que ton cerveau et ton corps adorent, c'est cette notion de progrès et d'y aller progressivement, tu vois. Ouais, je m'aime, je m'accepte comme je suis, c'est bien, mais je peux peut-être faire un petit peu mieux pour ma santé. Je peux peut-être faire un petit peu mieux pour me sentir bien quand je joue avec mes enfants, quand je marche dans la rue, de ne pas être essoufflé, quand je monte les escaliers ou autre, pour tout simplement avoir une qualité de vie que je mérite parce que je le mérite, bordel. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Voilà, j'ai regroupé trois pépites qui me semblaient bien dans le sens où je pouvais me foutre de la gueule de ces pépites, mais en même temps te dire que c'était pas si con d'en parler et que ça soulevait d'autres choses. Dis-moi ce que tu penses de tous ces raisonnements en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, c'est-à-dire dans une semaine. J'ai hâte de te retrouver. Je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Qui va ? Ça va ? Victory, yes. Aïe.